Kalam kati manidora, manidora, manidora. Kalam kati yabamushkila, yabamushkila. Jamalamo fikiro be usuma. Sultan lamo fikiro be usuma. Jamalamo fikiro galusuma. Minani yoma galuke anina chat. Minani yoma sultan lamo galo chat. Minani yoma fehera chat dalal fat. Minani yoma anina chat dalal rama. Kalam kachir urje urje. C'est comme si vous n'aimez pas la chanson du chat là. Hey, vous ne comprenez pas l'arabe? Oh, c'est simple comme ça. Il faut mettre la main ici, frotter, frotter. Vous comprenez l'arabe? L'arabe, tu tiens là, c'est pas compliqué. Très facile comme ça. Ou bien, tu mets ta main sur le front de ton voisin et puis lui met comme ça et vous vous transmettez. Ce que tu connais, tu lui transmets lui. C'est tout. C'est comme vous le faites comme ça. Hourdé! Nous allons écouter l'histoire de Luc et la panthère. Ce jour-là, Luc. Le lièvre était en promenade. Il s'est promené et puis brusquement, il s'est retrouvé devant le champ de maïs bien mûr. Ah, il s'était dit, ah, aujourd'hui là, je vais manger le maïs. Et puis il a regardé à gauche, il n'avait vu personne. Il a regardé à droite, il n'avait vu personne. Il est entré. Et puis, carac, carac, carac. Et puis il mettait dans son sac. Il carac, il carac. Il a mis dans son sac. Une fois à la maison, il a fait du feu et puis en train de griller le maïs. Et comme l'odeur là, on ne peut pas garder. La panthère qui était de passage, et l'odeur aussi était de passage. Et puis, l'odeur était passée devant les narines de la panthère et puis il s'est retourné. Lui, elle aussi, elle ne s'amuse pas avec l'odeur. Hein. Donc, quand elle a humé l'odeur, elle a pris la direction de là où l'odeur venait. Elle a marché. Et puis, elle a vu Luc en train de cuire son manioc là. Elle a fait manière de passer devant la porte. Luc ne l'a pas vu. Elle est revenue encore. Luc ne l'a pas vu. Elle est repassée. Luc ne l'a pas vu. Après, elle est passée là. Elle a dit. Et puis, Luc s'est retourné. Ah, bonjour. Ah, ça va, ça va. Et ils ont causé après. Il a demandé à Luc. Mais, mon ami, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Hein? Blanc, blanc, comme ça, tu cuis sur le feu, là, et puis ça donne une bonne odeur, là. Luc lui a dit, ah, non, ça, c'est simple. Ce sont les dents de ma grand-mère, selon moi. Elle est vieille, là, ses dents, là, ne servent plus à rien, donc je l'ai demandé, et puis je l'ai pris, c'est comme ça, j'ai cuit pour manger. Aïe, est-ce que les dents de grand-mère, là, c'est bon? Luc a dit, aïe, les dents de grand-mère, là, c'est très bon, hein? Attends, tu restes là. Après, je vais te donner un morceau, tu vas goûter. Et puis, la panthère est venue rester une tchoko comme ça, en train de regarder et puis de savourer l'odeur là. Elle savourait, elle savourait, elle savourait. Après là, Luc, après avoir cuit le manioc, Luc a coupé carao. Et puis, hein, la panthère a pris. Elle a mangé. Hey. Luc, les dents de ta grand-mère là, c'est bien comme ça? Luc a dit oui. Mais si tu veux là, si tu as une vieille grand-mère là, va lui demander si elle refuse même, tu es la rage. Et puis elle a dit, la panthère a répondu vraiment, est-ce que j'ai une grand-mère? Ah, ma grand-mère, elle est à la maison, elle est à la maison. Et puis, la panthère est rentrée chez elle. Elle est venue trouver sa grand-mère. Grand-mère, grand-mère, donne-moi tes dents. Et puis elle a trouvé bizarre comment son petit-fils va lui demander les dents là. Mais mon enfant, on ne demande pas les dents des autres. Les dents, là, c'est pour une seule personne. Non, grand-mère, donne-moi.
Ah, mon enfant, on ne donne pas les dents. Les dents là, elles sont fatiguées, elles tombent. On ne peut pas les enlever. Elle a forcé sa grand-mère à lâcher ses dents. Toutes ses dents. Elle est venue. Elle a fait un grand feu. Elle a mis dessus. Elle a cuit. C'est toujours blanc. Après, ça devient noir, mais c'est dur. Elle a fait le feu encore. C'est toujours blanc, c'est dur ou bien c'est noir. Comment? Après, là, elle s'est dit, Luc là, il ne m'a pas trompé par hasard. Et puis, il a réfléchi, mais attends. Les dents qu'il m'a données là sont comme ça, et puis tout autour comme ça là. C'est comme un bâton, et puis tout autour là, des dents, dents comme ça. Mais ces dents là, c'est comme ça là. Est-ce que c'est vrai ça? Après, elle s'était rendu compte que, Luc l'a trompé. Le lendemain matin, elle est revenue chez Luc et puis tap, elle a pris Luc. Elle a attaché les pieds de devant et les pieds de derrière. Je veux dire les pattes. Donc, elle a pris sur son dos. Elle a marché. Luc, aujourd'hui là, tu vas me sentir. Oh, panthère, moi ce sont les vrais dents de ma grand-mère. Moi, je ne t'ai pas menti. Tu m'as menti. Tu vas voir aujourd'hui. Panthère, s'il te plaît, laisse-moi. Toi, là, tu vas voir aujourd'hui ce que tu m'as fait là. Tu m'as fait arracher les dents de ma grand-mère, non? Tu vas voir. Et puis, coutu. Après là, la panthère a un peu faim là. Les voyous sont en train de tourner comme ça là. Elle a dit, non, comme je l'ai attaché là, je vais le déposer ici. Je vais aller manger, je vais revenir. Et puis, elle a déposé le... Elle est entrée dans la brousse. Au même moment, une bûche qui était de passage. Et quand le couchait avec les pattes entravées là, elle a écouté un bruit. Et il s'est mis à crier. Oh, je veux pas, s'il vous plaît, je veux pas, non. Si quelqu'un ne veut pas là, pourquoi vous l'attachez? Et puis, la biche s'est dit, mais attends, pourquoi lui là, il pleure comme ça? La biche s'est approchée. Elle a demandé, mais Luc, pourquoi tu pleures comme ça? S'il te plaît, laisse-moi, je ne veux pas. Mais tu ne veux pas quoi? Chez moi, on veut me faire roi. Et j'ai refusé, maintenant on m'attache comme ça pour absolument me faire roi. Aïe! Mais roi, être roi, c'est bon, non? Je ne veux pas être roi. S'il te plaît, détache-moi. Si tu veux, la remplace-moi. Je vais devenir votre roi. Et puis la bûche, rapidement, la bûche a détaché Luc. Et puis... Luc a pris l'autre là, la corde là, il a entravé bien la bûche et puis il l'a laissé, il est parti. La panthère de retour, elle a vu la bûche. Luc, on dit que tu es malin, mais aujourd'hui là, c'est pas le fait que tu te transformes en bûche que je vais te laisser. Je ne vais pas te laisser aujourd'hui là. Et puis la panthère a pris bûche là, elle a mis sur son dos, ngoutouk, elle est venue au bord de la rivière. Elle a pris une pirogue, elle a mis bûche dedans, elle est restée dedans et puis haou. Elle est arrivée juste au milieu de l'autre là, de la rivière là. Elle a dit, Luc, aujourd'hui là c'est fini pour toi. Je vais te jeter ici. Si tu es très malin là, échappe à l'eau là maintenant. Et puis elle a pris la bûche et puis tchungulou dans l'eau. Et puis elle est revenue. Et puis subitement le lendemain, elle est partie au marché là, elle a trouvé Luc de vendre plusieurs marchandises comme ça en train de vendre. Elle est passée. Et puis elle s'était dit, non, il faut que je pose la question pour voir si c'est Luc ou bien c'est pas lui. Et puis elle est venue. Luc, n'est-ce pas c'est toi? Et puis Luc a répondu, c'est bien moi. Je t'ai mis dans l'eau là, tu es sorti. Mais oui, je te remercie, j'étais là même. Je suis en train de te chercher pour te remercier. Quand tu m'as mis dans l'eau là, je suis parti comme ça, toute cette richesse là, je l'ai trouvée sous l'eau. Ah bon? Et puis, comme toi tu es gentil avec moi là, je suis venu pour t'aider pour que toi aussi tu sois riche comme moi. Et puis, la panthère a dit, oh Luc, vraiment, toi là tu es un vrai ami, hein? Vraiment. Il faut m'emmener là où tu as trouvé cette richesse là. Et puis Luc aussi a dit, bon allons-y. Ils sont partis au bord de la rivière. Luc a dit non, quand tu m'avais mis là, tu m'avais attaché les pattes. Donc, Luc a pris corde là. Il a attaché et puis il a pris panthère là, mis dans la pirogue et puis. Hell. Et puis,
Oh, dans la pirogue là, oh, la panthère. Oh, Luc, toi, tu es bon ami. Ah, vraiment. Un ami comme toi, là, je ne peux pas trouver. Et puis, oh, oh, arrivé au milieu là, Luc l'a pris comme ça. Et puis, tchoukoulou. Et Luc est reparti à la maison. C'est depuis ce jour-là que la panthère, quand elle marche comme ça là, les lièvres ne viennent pas tout autour de vous. Bourdieu. Je demande à Chocolat Chaud de venir. Anglais, yé, maga. Vraiment, vous-même, vous savez, c'est pas chaud. Si vous voulez que je chauffe, chauffez-moi alors. Aïe, maga. Ma seule, je vous dépasse. Alors, plus fort. Anglais, yé, maga. Merci. Écoutez cette histoire. C'est l'histoire d'un fou. Un fou, mais pas comme tout autre. Tout le monde, il est bon. Si tu lui dis bonjour, il te dit merci. Il ne répond pas. Comment ça va? Merci. Oui, comment tu vas? Merci. Tous les jours, il répond seulement par merci. Et son travail, il reste devant chez lui. Et devant chez lui, il y a un mar. Il observe seulement les grenouilles qui chantent dans l'eau. Gortouin. Gortouin. Si tu fais du bien, tu le fais pour toi. Et si tu fais du mal, tu le fais pour toi. Et ce voisin n'était pas content. Comment on le salue? Il ne répond pas. Merci. Et si je passe, il dit encore derrière moi, si tu fais du bien, tu le fais pour toi. Et si tu fais du mal, tu le fais pour toi. Donc lui là, avec ses grenouilles et ses merci là, il y a autre chose là. Il cherche à fabriquer. Mais en tout cas, il ne va pas me tuer. Hein. Il va me sentir. Et ce jour, son voisin a décidé de finir avec lui. Comment? Mais avec sa magie là, ses grenouilles là, il veut me tuer. Il verra. Un bon matin, il a préparé un bon plat et venir donner à ses fous de manger. À ce temps, il a déjà empoisonné ce plat. Et le fou a dit, merci, si tu fais du bien, tu le fais pour toi. Et si tu fais du mal, tu le fais pour toi. Entre-temps, son voisin était sûr que le fou allait mourir. Quand il est parti, il est revenu encore rester devant son grenier en train de regarder. Gortouin, pour m'envoyer un rire. Et il était tellement content. Quel beau grenouille. Et finalement, on voit que c'est déjà midi. Et les enfants de son voisin qui lui avaient servi le plat empoisonné sont déjà de retour de l'école. Et ils l'ont salué. Bonjour, monsieur. Merci, mes enfants. Et si vous faites du bien, vous le faites pour vous. Et si vous faites du mal, vous le faites pour vous. Ils sont venus pousser la porte de leur papa et se fermer. Ils savent où aller, comme il fait tellement chaud. Le fou leur a appelé. Venez mes enfants, votre père est sorti, mais restez à côté de moi. Quand il vient, vous allez rentrer. Tellement qu'ils ont faim aussi les enfants, ils savent où aller. Et le fou dit, ah, votre papa m'a donné à manger. Et je n'ai pas pu manger comme j'étais tellement rassasié. Mais avant qu'ils viennent, attendez que je vous serve. Il est venu chez lui prendre le plat empoisonné que son voisin lui avait donné et venir remettre aux deux petits-enfants de manger. Mangez mes enfants, c'est votre papa qui m'a donné. Mangez. Et eux aussi. On voit les enfants, ils dorment tranquillement, ils se sont endormis. Et lui aussi, il ne connaît pas la mort, c'est fou. Ah, mes enfants sont endormis. Il est ramassé, allongé juste à côté. Il est resté. En attendant son voisin. Et le voisin aussi est venu
poussé sa porte tranquillement. Il a vu le fou assise. Et il s'est levé. Ah, bonjour voisin. Voilà, vos enfants sont venus et comme la porte était fermée, je leur ai servi un peu le manger que vous m'avez donné. Et il savait quoi faire. J'ai tué mes enfants. Et c'est depuis ce jour-là que le voisin sut. Qu'est-ce que le fou voulait dire? Attention, vous aussi. Si vous faites du bien, vous le faites pour vous. Mais si vous faites du mal, vous le faites aussi pour vous. Parole de sage. Applaudissez encore. Merci, applaudissez. Ah, c'est applaudissez vous encore. Mais je n'écoute pas là parce que. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Walia Zenze, Burchu, Burja, Walia Zenze, Walia Zenze, Burchu, Burja. On dit chez moi que la foi est la conviction en une chose qu'on ne voit pas, mais qu'on croit que c'est vrai. Si on me dit que le ciel existe, ah ouais, je n'y suis jamais parti. Mais ce qui est sûr, si je crois que le ciel existe, le ciel existe. Si on me dit que le Tchad est un pays vraiment très beau, ah, mais j'habite le Tchad, donc je n'ai plus besoin de croire que le Tchad est un pays plus beau. Je sais que le Tchad est beau. Mais on dit, si vous vous jouez de la foi se jouera de vous. Oui, si vous poussez les autres à croire plus que vous pour abuser de leur croyance, sachez que leur croyance se retournera contre vous. Écoutez l'histoire de cet homme. Un homme qui avait pour tout et pour tout une vache. Une très, très jolie vache qui donnait 5 à 6 litres de lait par chaque 2 heures. Oui! C'est ça sa fortune. Chaque 2 heures, cette vache donne 6 à 7 litres de lait. Mais il dit bon, comme cette vache donne 6 à 7 litres de lait par chaque 2 heures, si j'arrive à trouver 3 ou 4 vaches comme ça, c'est que je serai l'homme le plus riche du village. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une autre vache? Chercher. Il part pour escroquer, ça n'a pas tenu. Il part pour acheter, on dit non, ma vache là c'est la seule richesse familiale. Il n'a pas trouvé. Il fait tout, il tourne, il retourne, il tourne. Mais il dit, tiens, j'ai trouvé. Il faut attaquer les hommes par leur foi. Je vais devenir pasteur. C'est la seule chose. C'est la seule chose où tu peux attraper un homme et puis prendre sa chose sans qu'il ne regrette. Il dit, je deviens pasteur. Et puis, il est devenu pasteur. Chaque jour que Dieu fait, il prêche. Il dit, si vous avez une bâche, une très belle bâche que vous donnez à Dieu, vous allez trouver 2 vaches. Si vous donnez 2 vaches à Dieu, sachez que vous aurez 4. Si vous donnez 3 vaches à Dieu, vous aurez 6 vaches. Donnez à Dieu et vous aurez. Il y a un homme qui est resté. Lui aussi, il a tout et autour qu'une seule vache. Mais lui, ils sont 2 déchets avec sa femme. Il dit chérie, viens. Il l'a retiré. Il dit, écoute, tu écoutes ce qu'on a dit, non? On a une seule vache, 2 dessus. Mais si on donne cette vache, on va trouver 2 et on aurait chacun une vache. Est-ce que tu es d'accord ou pas? La femme a dit, tu ne connais pas encore les hommes. Il dit non, là, c'est Dieu qui va donner, ce n'est pas les hommes. Il dit, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas les hommes. Hein? Il dit, bon, d'accord, donne quand même. Il a pris la vache là, il a traîné, venu, il dit, voilà sa vache, je donne à Dieu. Dieu, c'est ma seule richesse, je te la donne, cette vache. Et puis, l'homme l'a très content. Il dit, faites comme cet homme-là. Et puis le royaume des cieux, vous aurez 2 ou 3, 4 vaches selon ce que vous voulez. L'homme est rentré tranquille. Il est rentré. Il est parti préparer 2 étables là où on attache les vaches là. Il a préparé 2, il laisse, il dit, j'attends mes 2 vaches que Dieu va envoyer. Oui, il est sûr et certain que ces 2 vaches viendront. Donc, il a attaché les 2 vaches. Il a payé les 2 places pour les 2 vaches. Alors, le faux prêtre, il est venu attacher la vache du monsieur là, à côté de son vache, même corde là. Il l'a attaché, il dit, comme toi tu as encore une vache sauvage là,
je t'attache à la corne de ma vache comme ça. Comme ça, tu vas la dresser. Elle va te dresser. Tu vas faire donner la même quantité de lait que ma vache donne. L'attacher bien corne, corde là, dans la corne de la vache là. Mais la vache, comme elle est sauvage et puis elle aime tellement ses propriétaires, elle commence par traîner la vache du monsieur là pour arriver chez son propriétaire. Elle la traîne. Bien qu'elle résiste, elle la traîne jusqu'à l'entraîner dans l'étable du monsieur. Il dit, voilà ma femme, Dieu nous a envoyé une autre vache. Dieu nous a envoyé une autre vache, on a maintenant deux vaches. Hein, on a maintenant deux vaches. Si vous êtes à la place de cet homme, ce prêtre, est-ce que vous allez revenir revendiquer votre vache? Non. Vraiment? La seule chose qui peut vous sauver, la seule chose qui peut vous faire vivre, c'est l'espérance. Si nous partons à l'école aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on va devenir. Mais nous sommes certains que nous allons réussir. Si on part s'aimer quelque chose, nous ne sommes pas sûrs du résultat. Mais nous savons que peut-être on trouvera quelque chose dans ça et on en croit fermement. On donne tout notre temps dans ce semence qu'on a fait. C'est pour obtenir de... Donc, la seule chose qui fait vivre les hommes, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Quand vous croyez à quelque chose, dites-vous que vous allez y arriver, mais avec des moyens, surtout des moyens légaux. Valiant Zinzin, Valiant Zinzin, Bourdieu. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, maman, je pas. Valiant Zinzin, Valiant Zinzin, Valiant Zinzin, Bourdieu, Bourdia. Un matin, le lièvre est sorti. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Ah non. Non, non, je dis non. Et puis il dit non. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi le lièvre dit non ce jour-là. Mais il dit ça ne doit pas continuer comme ça. Il trouve un animal, il dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Viens, on va parler de ça. Voilà, il revient, il trouve ça, il dit ça ne doit pas continuer comme ça. Viens, on va parler de ça aujourd'hui. Hein, il faut... Mais les grands là, ils se considèrent comme qui? Allons chez le lion, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui. C'est... Non. Ça ne doit pas se faire aujourd'hui. On dit le lièvre, ton problème, il est où? Il dit non, venez chez le roi, vous serez mon problème aujourd'hui. Il dit c'est incroyable ce que Dieu fait, ce que vous les grands vous faites là, c'est incroyable. Nous, on n'accepte pas nous les petits. Non, dit, mais ton problème, il est où? Il dit venez, vous allez savoir. Le lion est assis là. Les autres animaux assis tout autour de lion. Mais le lièvre est resté loin. Il n'est pas à côté du lion. Alors que la chèvre, la biche, est restée, le mouton. Mais comme vous savez, quand la chèvre est quelque part, la hyène est toujours à côté. La hyène est venue s'asseoir à côté de la chèvre. On dit voilà, on écoute ce que le lièvre a à dire. Il dit, moi le lièvre, Sa Majesté, Monsieur le Lion, excusez-moi, mais il faut que ça change. Il dit, mais lièvre, parle, qu'est-ce qui doit changer? Il dit, non, ça doit changer, ça ne va pas être comme ça. Mais il n'y a que vous qui devriez faire ça pour que ça change. Il faut que ça change. Il dit, mais c'est quoi? Est-ce que vous voulez savoir ce que le lièvre veut que ça change? Est-ce que vous voulez réellement savoir? Oui. Vous voulez réellement savoir? Oui. Walian Zinzin. Walian Zinzin. Bourdieu. Bourdia. D'accord. Comme il vient de me le dire, je vous le dirai. Il dit, à partir d'aujourd'hui, le lion, je vous en supplie, pardon. Pardon. Même si Dieu a fait comme ça. Pardon, il faut que ça... Mais qu'est-ce qui doit changer? Il dit, cessez de manger la viande. Voilà, il dit, vous les carnivores, cessez de manger la viande. Mais le lion a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, lièvre? Qu'est-ce qui doit changer dans ça là? Il dit, hier, ma voisine a été mangée par la hyène. Tigre a mangé la vache. Et puis il commence par citer jusqu'à. Le lion de peur qu'il n'arrive sur lui pour citer aussi son forfait de hier. Il dit non, ça va, ça doit changer. Il dit ça va. Voilà, il dit ça doit changer. Il dit, est-ce que vous écoutez ce que le lièvre a dit? Les autres ont dit. Il dit, vous allez changer. Ça c'est le lion.
vous allez changer. Le palabre a duré des heures et des heures. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, quand on est resté longtemps et qu'on n'a rien à dire, la moindre ressource c'est de... La moindre ressource c'est de... Le lion commence par... Ah, déjà. Le lion baille une fois. Il baille deux fois. Il baille trois fois. Le lièvre a décalé encore de deux pas. Parce que quand le lion baille trois fois, c'est que ce qui va s'en suivre ne serait pas certainement bien. Il a baillé pour la quatrième fois. Il dit, ah bon, comme vous pouvez savoir, la réunion a assez duré. Et moi, j'ai faim. Mais pour commencer, ce n'est pas aujourd'hui que je dois changer. Mais ça doit changer. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je dois changer. Donc pour que la réunion continue. Et puis commence à regarder les autres. Il dit et puis regarde les autres. Entre temps, l'hyène qui a compris déjà l'action du lion a frappé la flèche de la chèvre. Frappé, boum, et puis elle a relevé le morceau. Quand le lion a vu le sang, il a bondi sur la vache qu'il a donné beaucoup de sabbat. Et puis, à qui mieux mieux? Celui-là est derrière celui-là. Celui-là est derrière celui-là. Celui-là est derrière. Le lièvre, quand il est venu devant le varan, il dit, ça doit changer, le père ouvre la bouche, le varan fait fiam sur sa tête. C'est depuis ce jour-là que, et puis les oreilles de lièvre, quand le varan a frappé là, les oreilles sont tombées sur le champ. C'est depuis ce jour-là, quand on attrape le lièvre là, vous n'allez jamais voir ses oreilles. Oui, mais varan a déjà coupé. Donc, un lièvre mort, aucun homme ne verra ses oreilles. À moins que le chasseur vous dit le secret. Si le chasseur vous dit le secret, vous verrez les oreilles du lièvre. Donc, quand vous entretenez quelque chose, vous entrevoyez faire quelque chose, soyez en sûr des conséquences que vous allez soutenir jusqu'à votre dernier souffle. Mais quand vous engagez des actions que vous-même, vous n'arrivez pas à supporter, que vos épaules ne peuvent pas supporter, n'engagez pas les autres. Sinon, porte de quoi, la cuisse de la chèvre qui est perdue là, va vous arriver. Wanya zenze, wanya zenze, burchu, burcha, burchu, burcha, la foi. La foi. Un homme qui dit, tout ce que j'entreprends, je réussirai. Un homme qui dit, tout ce que j'entreprends, je réussirai. Tout ce que j'entreprends, je réussirai. Est-ce que c'est... Allez-y. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que tout ce que tu entreprends, tu es sûr à 100% de réussir? Non. Non. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? Non. Écoutez l'histoire de cet homme. Il dit, on dit que, quelle que soit la situation, si tu te trouves dedans et que tu implores lors de l'aide de Dieu avec un seul cœur, il te viendra à l'aide. Il dit, les gens mentent, moi je vais essayer. Il est parti, il est monté sur le pont de Chagwala. Ploum, pouf, il est tombé dans l'eau. Il sait nager, mais il dit, je nage pas, je vais couler. Il entre, il sort. Il sort. Quelqu'un est venu avec pilote, il dit, mon frère, je peux t'aider. Il dit, aujourd'hui, la Jésus n'a qu'à venir me sauver. Sinon, je vais me noyer ici. Voilà. Il dit, lui-même, il va venir en question me sauver. Le pirogue est parti. L'autre qui l'a vu tomber là, est tombé derrière lui. Il dit, mon frère, alors il dit, va-t'en. Moi, là, si Jésus ne vient pas, je vais couler. Il dit, d'accord, il est parti. La vague l'a poussé. L'a poussé pour l'amener à la verge. Il dit, qu'elle batte. Même ça, là, c'est petit. Il est parti. Il marchait. Il a entendu parler d'un puits sans fin. Il dit, je vais tomber dans ce puits-là. Je vais tomber dans ce puits-là, Dieu, si tu veux, sauve-moi. Et puis, plouf, il a plongé, il est tombé dans le puits-là. Heureusement qu'il y a des racines entremêlées dans le puits-là. Il est venu rester dans le puits-là, après avec un seul bras comme ça. Et puis, les racines là, commencent par se couper un peu. C'est en ce moment qu'il a tapé la peur. Il a eu un peu peur. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut me sauver?
Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut me sauver? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut me sauver? Et puis, il a entendu une voix sans voir quelqu'un. Il dit, laisse la racine et puis mes anges vont te sauver. Il s'est tourné, il regarde. Il n'a vu personne. Il dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Finalement, qu'est-ce que nous voulons, nous les hommes? Si nous ne savons pas ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons dans la vie? Hein? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? La mort. Wania Zenze, Wania Zenze, Bourdieu, Bourdia, Wania Zenze, Wania Zenze, Bourdia, 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 un homme, il a une fille, cette fille-là, Kalawa. Cette fille-là, Halawa. Et puis, la fille est arrivée à l'âge de se marier. Son père lui a proposé un garçon. Elle a dit, hey, moi là, je ne veux pas de lui. Et puis, comme ça, trois garçons proposés par le papa. La fille a dit, et puis le père est resté comme ça, il a dit, vraiment ma fille, toi là, tu veux te marier à qui, wa? Je veux me marier à l'homme qui me plaît. Il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, l'homme est parti dans tout le village, il a informé à tout le monde. Le garçon, celui que ma fille te plaît là, ma fille plaît là, viens. Et le matin là jusqu'au soir, les garçons venaient. Ils venaient. Et puis, le soir là, il ne restait que trois garçons. Le premier, on l'a ouvert. La fille l'a regardé. Vraiment, papa, il est beau, mais sa façon de regarder là ne me plaît pas. Le père presque est découragé déjà. À quoi le garçon est parti. Le deuxième des trois là est venu. Heya, grand boubou. Broderie la hine. Il est venu. Ils l'ont ouvert. Heya, il est entré. Pour le père, heya, c'est ça seulement son beau-fils. La fille. Vraiment, papa, il est beau, mais son boubou là ne me plaît pas. Il est parti. Après là, c'est un génie qui est venu. Il s'est masqué, il est devenu. Il a pris la forme humaine. C'est lui là. Beauté. Faut laisser. Beauté seulement là, il faut laisser. Voilà, c'est pas à dire même. Il est venu. Coq là, le père a ouvert. Vang. La fille a dit, ah, papa, c'est lui. C'est lui. Et puis lui, automatiquement, il est venu avec sa dot. Le père a dit, aïe, tu attends. J'ai réuni les gens, voilà. Il dit, aïe, moi là, chez moi là, on fait quelque chose là, c'est une seule fois. Et comme ta fille veut de moi déjà là, toi-même tu vois, je te donne la dot et puis je prends ma femme là. Ah ok, c'est pas grave. Le père a pris sa dot. L'homme a dit, bon, comme tu as pris ma dot, je rentre avec ma femme. Aïe, mais la nuit comme ça là, vous allez rentrer comment? Moi je vais rentrer. Et puis le père a insisté, le mari a insisté, comme c'est déjà le mari là, il a insisté et puis le père a cédé. Il a pris sa femme sur un cheval. Et puis Kotoko. Il avait Kadamoul bien comme ça. Après là, Kotoko. Kadamoul là s'est devenu serpent.
Et puis, tchelou, dans la brousse. La fille l'a regardé comme ça, c'est comme mirage, mirage comme ça. Et puis, Chenette, là aussi, c'est un petit serpent. Il s'est détaché et tu loupes dans la brousse. La fille l'a vu comme ça, là. Il a dit, mon mari, mais comment, ouais, j'ai vu comme si ton collier, là, c'est le serpent comme ça. Ah non, 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 cette brousse-là, vraiment, c'est plein de mirages. Tu vois, là, c'est rien. Et puis, quand après, là, l'habit, là, même, you. Après, quand là, you. Le cheval, là, même, a disparu. Il se s'est retrouvé comme ça. Et puis, il a dit à sa femme, suis-moi. Et puis, ils ont marché. Il a vu un arbre comme ça, sèche, là. Il est entré dedans. Et puis, il a dit, entre, non. La fille dit, mais j'ai vu entrer comment, c'est un arbre, non. Mais c'est là où je vis. Entre. La fille dit, s'il te plaît. Entre, sinon je vais te manger. Hein. Au village là-bas, là, les gens veulent te marier, tu veux pas, non. Viens ici. Et puis, entre manger et venir là, elle est venue rester. Le monstre la laisse là. Le lendemain matin, là, il va, il cherche à manger, il revient, il dort. Il le voit comme ça. Aujourd'hui, là, alhamdoulilah, je suis rassasié, sinon c'est toi que je vais manger. Et puis, le lendemain, il repart encore. Il mange, oh, il vient là, il dit vraiment, toi, tu es chanceuse, hein. Sinon, là. Ah, depuis ce jour-là, la fille a l'intérêt là. Elle pleure, elle chante, elle pleure, elle chante. Et puis un jour là, tellement qu'elle a chanté et puis elle a pleuré là, il y avait une petite souris qui était sortie du trou comme ça. Elle est venue. Petite fille, pourquoi tu pleures comme ça là? Elle a regardé, elle a regardé, il n'y avait personne. Mais c'est moi là. Elle a entendu une voix, mais elle ne voyait personne. Elle a regardé, ici zéro, là zéro, zéro. Mais je suis sous ton pied là seulement. Et puis elle a regardé, c'est une petite... Hein? Petite souris, toi qui parles, tu parles? Oui, je parle. C'est ton génie là. Il a tué toute ma famille. Hein? Si tu ne fuis pas là, le jour où il ne trouve pas à manger, il va te manger. Ah, elle a eu la confirmation. Mais elle a dit, mais vraiment, comment je vais faire pour fuir, hein? Quand il sort là, l'arbre là se ferme. Et quand il revient d'avoir l'arbre, la souffle, là, moi je vais faire comment pour fuir? Et puis il a dit non. La souris a dit non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi je vais te montrer quelque chose. Attends le jour comme ça, là, il va venir là. Je vais le tromper, je vais prendre sa voix là. Tu vas voir. Et puis les jours se sont passés. Et puis un jour là, van, le monstre est venu. Il avait quelque chose dans sa poche. Cette chose là, tu prends, tu avales, clip là, tu as la voix du monstre. Et puis la souris là, le monstre dormait. Là. Elle est venue, et puis elle est entrée dans la poche, elle a pris la chose là, elle a avalé une calaou. Et puis, elle est venue rester. Attends, quand il va partir, je vais te faire fuir. Et puis le monstre, quand il s'est réveillé là, son ventre tapait comme ça là, il avait faim. Il est reparti encore. Aïe, ce jour là, la souris est venue là. Elle a parlé avec la voix du monstre. Et puis l'arbre s'est ouvert. La fille est sortie. Et puis, elle a commencé par fuir. Elle a fui. Elle est venue là. Elle a trouvé un troupeau de singes comme ça. Singe, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon mari là, s'il vient, il ne me trouve pas là. Il va venir me manger. S'il vous plaît, aidez-moi. Le grand des singes là, il dit, moi, je suis le grand singe. Ton mari là, il est quoi? Non, reste ici. Et puis le grand singe là, l'a mis à côté. Quand le mari là, il est rentré, il a vu qu'il n'y avait pas sa femme. Aïe! Il a commencé par s'énerver. Il a crié. La terre tremblait. Le singe a dit, mais ça c'est quoi, wa? C'est mon mari là, non? Quoi? C'est mon mari là. Bon, c'est pas grave. Mais en attendant là, il faut continuer par fuir. Et puis moi, je vais voir ce que je fais. Et puis, quand le mari là est venu, il a trouvé le troupeau de singes là. Il a demandé, vous n'avez pas vu ma femme? Ta femme là, elle est comment va? C'est une femme, vous n'avez pas vu une femme? Elle vient de partir tout de suite. Et puis, elle a couru, elle a trouvé un troupeau de buffles. Le mâle dominant de buffles là, il a fait,
ne peut le faire sortir, a brûlé les herbes devant lui. La fille a dit, s'il te plaît, Bifle, aide-moi, protège-moi contre mon mari, sinon il va me manger. Le Bifle a dit, oh, c'est pas grave, tu as vu ce que j'ai pu faire, non? Je vais faire mieux que ça. Reste à côté de moi. Si tu as peur, reste sur mon dos. La fille, elle est montée, tchello, sur le dos du Bifle. Et puis le Bifle là. Le monstre a couru, il a couru. Le sol commence par trembler. Ça, c'est sur les pas de course seulement. Le Bifle a dit, mais ça là, c'est quoi, ouais? Depuis que je domine mon troupeau là, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Hein? La fille a dit, vraiment, c'est mon mari là. Hein? C'est quoi? C'est mon mari là. Bon, c'est pas grave. Descends, je vois. Et puis la fille est descendue. Bon, attends, il faut fuir comme ça. Comme ça, à seul, je peux mieux te défendre. Et puis la fille a pris fuite. Le monstre est venu là. Le Bifle a directement dit, non, elle est partie comme ça. Elle est partie comme ça. La fille a fui jusqu'à. Elle est venue. Kiou! Un troupeau de lions, oh, dominé par le lion, un vieux lion. Il est resté. En s'approchant même là, la fille avait peur, mais elle a eu le courage. Entre deux morts là, elle a choisi ce qui ne va pas venir rapidement là. Elle est venue, vraiment lion, protège-moi contre mon mari, sinon il va venir me manger. Oh, lion a dit non, ton mari là, il est comment? Ton mari seulement, moi lion, un homme ne m'a jamais résisté, hein? Je vais le manger. Et puis la fille a dit, vraiment, c'est pas un homme, hein? Non, c'est pas grave, même si c'est pas un homme, c'est pas grave. Et puis la fille est restée. Le lion a dit, non, mais si tu veux pas rester loin, reste à côté de moi. La fille est restée à côté du lion. Là, le monstre venait. Il venait tellement que sa vitesse était énorme là. Le vent, hein, ça soulevait le vent, la poussière, et puis ça venait. Les lions ont vu ça là. Ça, c'est quel vent comme ça? Moi, depuis là, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Hein. La fille a dit, hein, c'est mon mari là. Aïe. Le lion a dit, vraiment, il va me sentir. Moi, je suis lion. Il a résisté. Le vent s'approchait. Le lion résistait. Le vent s'approchait. Après, la terre aussi tremblait. Le vent s'approchait. Vraiment. Il faut partir. Et puis comme ça, la fille était désespérée. Et puis elle a couru. Elle a trouvé le boursier. Vous connaissez le boursier? En Sahara, on appelle ça Ndubrushi. Une sorte de scarabée comme ça. Il a l'habitude de faire les crottins de vache là. Rouler le comme ça. Il va mettre dans son trou là. Pendant les saisons pluvieuses. Donc, le boursier était resté devant son trou, en train de voir. La fille a fui. Elle est venue. Le boursier l'a regardé comme ça. Mais, fille, pourquoi tu cours comme ça, là? La fille a dit, vraiment, moi, là, j'ai fait une erreur. Je me suis mariée à un mari, là. Il veut me manger. Et puis, elle a dit, il veut te manger, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, t'as arrivé seulement me manger. Bon, c'est pas grave, reste à côté de moi. La fille a vu boursier, là, petit comme ça. Et son mari, là, gros, qui fait trembler le sol, a dit, vraiment, est-ce que tu n'as pas autre chose à me proposer? Le boursier a dit, si tu veux, tu pars. Si tu ne veux pas, reste à côté de moi. Le mari, là, venait. La terre tremblait. La fille avait tellement peur. Et le boursier était resté comme ça. Il regardait ce qui se passait là. Il n'avait même pas peur. Il est resté. Après, il a dit, c'est ça ton mari, là. La femme tremblait. Elle a dit, oui, c'est lui. Bon, c'est pas grave, entre dans mon trou, là. Reste là. Et puis, le monstre est venu. Après, là, tellement qu'il avait fait trembler la terre, il a soulevé la poussière, ça n'a même pas tiqué le boursier, là. Il est venu lui-même. Monstre. Coucou. Hey, tu n'as pas vu ma femme? Mais tu es chez moi, non? Tu parles comme ça, là. Le monstre étonné. Jamais personne ne lui a résisté comme ça. Il a dit, mais toi, là, tu ne me respectes pas. Non, mais quand même. Tu es venu chez moi, tu ne m'as même pas salué. Et puis, tu me poses des questions comme ça, là. Moi, je suis chez moi. Hein.
après là, il a dit, bon, ça va. Où est la femme qui fuyait là? Moi, je n'ai pas vu la femme. Hey Tara, je n'ai pas vu la femme, je t'ai dit non. Suis, continue ton chemin. D'ailleurs, moi, je n'ai pas le temps à bavarder avec toi. Le monstre est énervé. Il a pris comme ça. Il l'a avalé. Il est sorti par son anus. Il est revenu encore rester devant son trou. Le monstre a dit, hey, voilà, tu veux me résister? Lui, il a dit, mais attends. Toi-même, tu veux me résister? Moi, personne ne m'a tenu de prendre comme ça. Hein. Il l'a pris encore. Il est sorti par son nez. Il l'a pris encore. Il n'est pas sorti. Jusqu'à... Il voulait respirer là. Quand il a ouvert la bouche, il est sorti. Et ça, quand il est sorti là, il est entré chez lui. Il a pris couteau. Il a pris allumette. Et puis, quand il est sorti, là, le monstre l'a pris calme encore. Hey, maintenant, là, dans le ventre du monstre, là, il coupe cette partie, il met sur le feu, il mange. Il coupe cette partie, met sur le feu. Ah. Le monstre a commencé par pleurer. S'il te plaît, s'il te plaît, sors. Le bousier dit, je sors pas. Tu es venu me déranger chez moi. Je sors pas. Il a coupé, il a coupé, il a coupé. Finalement, là, le monstre ne pouvait plus. Et puis, il est tombé car là-haut. C'est maintenant que lui, il a ouvert une partie, il est sorti. Il a dit, petite fille, maintenant rentre chez toi. Elle était rentrée chez elle. Le lendemain, il y avait un garçon, un berger, juste un berger. Il est venu, il a dit, vraiment, je veux la main de, cette, de votre fille. Et puis la fille a dit, papa, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas chercher seulement la qualité, mais c'est la valeur. Pour Dieu! Pour Dieu! Prochainement maintenant. Coco ma mère, Maguri Kaka, Reke Reke, Coco Riyako, Coco ma mère, Maguri Kaka, Reke Reke, Coco Riyako, Coco ma mère. Maguri Kaka, Reke Reke, Coco Riyako, Coco Mambere, Maguri Kaka.